La faune sauvage impose des conditions difficiles aux animaux, les obligeant à chasser pour survivre, au risque de leur vie. Même les lions, souvent préférés comme les rois de la savane et des prédateurs sanguinaires, ne font pas exception. Voici 30 moments terrifiants où de grands félins blessés vivent dans l'agonie. Faire des erreurs lors de la chasse est inévitable et peut entraîner de graves conséquences, voire la mort. Le buffle du Cap est un animal redoutable de la savane africaine, connu pour sa puissance impressionnante et ses cornes acérées. Les buffles du Cap ont souvent causé de graves blessures aux prédateurs. Pour les lions, vaincre un buffle du Cap demande beaucoup de temps, d'énergie et la coopération de plusieurs membres du groupe pour neutraliser rapidement leur proie. Dans cette vidéo, trois lions mâles tentent de maîtriser un buffle adulte. Les lions lancent des morsures continues pour achever rapidement leur proie. Cependant, le buffle du Cap montre qu'il n'est pas une proie facile. Il se débat férocement contre les prédateurs. Après un certain temps d'attaque sans pouvoir le tuer, un lion est poignardé à l'abdomen par les cornes acérées du buffle. La blessure est si grave que le lion ne peut plus se tenir debout et il utilise sa langue pour lécher le pansement afin de soulager la douleur. Cela sera une leçon pour les lions sur le danger de leur proie, les incitant à être plus prudents lors de leur prochaine chasse. Les blessures à la patte sont redoutées par tous les animaux car elles affectent gravement leur survie. Les lions craignent également ces blessures qui les empêchent de chasser ou de se défendre en cas de danger. Ils peuvent survivre 4 jours sans eau, mais doivent consommer de 5 à 7 kg de viande par jour. Incapables de chasser, ils deviennent affamés, faibles et finissent par mourir de faim. La faim rend les lions beaucoup plus téméraires. Une lionne, poussée par le besoin de nourrir ses petits, attaque imprudemment un hippopotame. Malheureusement, elle a choisi mal sa proie. L'hippopotame se défend férocement et la lionne est mordue au visage. Avec une telle blessure, il sera difficile pour elle de survivre. La vidéo montre également un lion mâle s'aventurant attaquant le territoire d'une alliance de 4 lions mâles. Ceux-ci attaquent l'intrus sans relâche, déterminés à lui donner une leçon mémorable. Les sources de nourriture doivent de plus en plus rares, les conflits entre lions et humains se multiplient. Parfois, les lions attaquent les troupeaux des tribus vivantes dans la savane. Pour protéger leur bétail, les villageois repoussent les lions, en utilisant parfois des armes. Un lion blessé par une lance utilisée par des tribus locales au Masai Mara montre une blessure non mortelle, se rétablissant progressivement. La vidéo illustre également une lionne après une chasse infructueuse, avec des blessures visibles sur son corps. Elle boit de l'eau pour soulager sa douleur, mais les temps à venir seront difficiles car ses blessures mettront du temps à guérir. Le monde sauvage devient de plus en plus impitoyable. Pour survivre, tous les animaux ont besoin de force et de volonté résiliente. Après avoir regardé ces vidéos, qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à laisser un commentaire pour nous faire part de vos impressions. La vidéo se termine ici. Si vous aimez le monde animal, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube Falcon. Nous explorons le monde de la faune et vous apporterons des connaissances utiles sur les habitats et les méthodes de chasse de tous les animaux. Au revoir et à bientôt dans la prochaine vidéo.